Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre, c'est l'heure de l'invité du journal. Fin 2019, c'est la nouvelle échéance fixée aux coopératives pour se conformer aux dispositions de la nouvelle loi qui les régit, une loi entrée en vigueur au deuxième semestre 2016. Pour l'heure, seulement 3000 coopératives sur les 15000 que compte le Maroc se sont adaptées aux nouvelles exigences de cette loi qui entend renforcer la gouvernance de ces structures et professionnaliser leur activité. Pour nous parler de ce nouveau cadre légal et faire un point sur l'activité des coopératives au Maroc, nous recevons aujourd'hui M. Abdelkrim Azanfar. Vous êtes le directeur de l'Office du développement et de la coopération. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci à vous. Alors, M. Azanfar, avant de parler du cadre légal, est-ce qu'on peut d'abord avoir un topo sur les coopératives au Maroc? D'abord, c'est quoi la définition d'une coopérative et il y en a combien aujourd'hui au Maroc? Merci pour l'invitation. Effectivement, les coopératives au Maroc, c'est une définition un peu universelle, mais c'est un groupement de personnes qui se réunissent pour créer une entreprise. Donc, ils ne peuvent pas la créer individuellement, donc ils mutualisent leurs efforts, leurs moyens pour créer une entreprise, pour satisfaire des besoins économiques ou sociaux, et bien sûr, selon le respect d'un certain nombre de valeurs et de principes qui sont universels. Au Maroc, comme vous avez bien annoncé le chiffre, donc avant l'entrée en application de l'actuelle loi qui est la loi 112-12. Donc le Maroc comptait un peu moins de 6 000 coopératives, sachant qu'il faut souligner l'année 2005 avec le lancement de l'initiative nationale de développement humain qui a donné une véritable dynamique pour le développement du travail coopératif, puisqu'avant 2004, le nombre était un peu moins de 5 000, c'est-à-dire pour donc dire ça a été un véritable coup de pouce. Exactement, c'est-à-dire en 10 ans, donc le nombre a triplé. Donc c'est pour voir un peu l'importance de cette initiative. Et puis après, avec les autres programmes sectoriels, notamment l'agriculture solidaire au niveau du plan Maroc vert, la stratégie de l'artisan, les autres stratégies qui ont également apporté un appui au développement du secteur coopératif au Maroc. Alors, il y en a à peu près 15 700, c'est 484 000 personnes qui en bénéficient aujourd'hui. Dans quel secteur retrouve-t-on massivement les coopératives? Alors, on imagine que c'est souvent dans le milieu rural, donc c'est l'agriculture, l'artisanat, local ou traditionnel. Mais est-ce qu'il y a aussi des nouveaux secteurs qui sont en expansion? Oui, effectivement, donc c'est l'agriculture qui domine. Les deux tiers sont donc œuvrent dans le secteur de l'agriculture. C'est un constat un peu mondial, même au niveau mondial, c'est les coopératives agricoles qui dominent, suivies de l'artisanat et de l'habitat, effectivement. Mais dernièrement, il y a beaucoup de créneaux, de nouveaux créneaux. Et on remarque donc le développement des coopératives dans des secteurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir auparavant, notamment l'alphabétisation, la scolarisation. Les télécommunications, d'après les chiffres, il y en a 5 aujourd'hui au Maroc dans le secteur des télécommunications. Exactement. Il y a même des coopératives de services qui œuvrent dans des secteurs nouveaux, notamment la commercialisation électronique. L'art et la culture. Exact, l'agriculture, notamment au niveau de Tanger, il y a des coopératives qui sont très dynamiques. Donc c'est important parce qu'il y a de l'innovation, il y a généralement des jeunes derrière, donc il y a les nouvelles technologies, il y a un peu de voir autrement. Et même au niveau du secteur agricole, ce n'est pas considéré le secteur agricole, c'est toujours traditionnel. Et il y a beaucoup d'innovations au niveau du secteur agricole actuellement, beaucoup de coopératives d'agriculture biologique. C'est vraiment être présent dans les marchés au niveau international. C'est avoir une qualité qui permet son positionnement au niveau international. Et on voit très bien qu'au niveau de différents salons, au niveau international, la présence des coopératives marocaines. Alors merci pour ce panorama des coopératives au Maroc. Venons-en maintenant au cadre juridique, puisque c'est l'actualité qui nous amène à cet entretien. Il y a une loi qui est donc entrée en vigueur au deuxième semestre 2016 et qui demandait une mise à jour des coopératives. Alors qu'est-ce qu'elle a changé cette loi et qu'est-ce qui est demandé aujourd'hui aux coopératives pour être conforme à cette loi? Donc c'est la loi 112-12, effectivement, qui a été publiée au bulletin officiel en fin 2014. L'entrée en application a été prévue au début 2016, mais comme les textes d'application avaient un peu tardé de 7 mois, donc l'entrée effective, c'était après le deuxième semestre 2016. Donc pour les coopératives nouvellement créées, donc il y a beaucoup de nouveautés, notamment en termes d'allègement de la procédure de création, parce qu'avant c'était un agrément, c'était un long parcours pour arriver à obtenir cet agrément, et donc ça démotivait beaucoup d'initiatives, parce qu'il fallait attendre plusieurs mois. Donc avec la nouvelle loi, c'est facile, donc c'est un enregistrement au niveau des registres locaux, des coopératives qui est domicilié au niveau des tribunaux de première instance.
Donc c'est un peu l'équivalent du registre de commerce. Et d'ailleurs, cet enregistrement permet également après d'autres avantages, notamment la possibilité de participer même au niveau des marchés publics. Donc c'est essentiellement un allègement des procédures administratives ? Au niveau de la création. Et une précision également des règles de gestion. Tout ça, c'est dans l'objectif d'assurer une gouvernance adéquate, parce que c'est pour combler un peu les défaillances de l'ancien, dans l'ancienne loi. Et il y a d'autres également nouveautés. Donc, par exemple, pour renforcer le système de gouvernance, qu'est-ce qui est demandé à ces coopératives qui n'existaient pas auparavant? Qui n'existent pas auparavant, c'est un peu pour les petites coopératives, ce n'est plus l'obligation de passer par un conseil d'administration, pour passer par un gestionnaire. Ça dépend de la taille des coopératives. Passer par le commissaire aux comptes, ce n'est plus obligatoire pour les petites coopératives dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 10 millions de dirhams. C'est également la possibilité de créer des commissions de contrôle qui peuvent contrôler le travail parmi les adhérents en dehors des membres du conseil d'administration. C'est même des mesures coercitives contre les gestionnaires défaillants, des gestionnaires qui détruisent un peu, qui bloquent le travail de la coopérative. C'est même des mesures coercitives qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement. Donc tout ça, c'est pour répondre à des problèmes de gouvernance au sein des coopératives au Maroc. Et espérons, donc, au niveau de l'application, on verra des résultats concrets au niveau des coopératives. Alors l'objectif, c'est aussi de professionnaliser l'activité de ces coopératives. Alors justement, quels sont les leviers pour assurer une meilleure professionnalisation de cette activité, de ces structures? Et effectivement, actuellement, donc, c'est la concurrence et c'est le marché qui décide pour le consommateur, soit national, soit international, de choisir entre un produit d'une coopérative ou un produit issu d'une autre forme de... Donc c'est la qualité, c'est professionnaliser un peu les ressources humaines au niveau de ces coopératives. Je pense que la qualification du capital humain au niveau d'une coopérative est une pièce maîtresse pour rehausser un peu le travail au niveau des coopératives. C'est également la structuration de ce secteur, parce qu'actuellement, très peu de coopératives font partie des unions ou qu'ils fédèrent un peu le travail entre elles pour constituer une véritable force de frappe. Actuellement, environ 7% des coopératives qui font partie des unions ou d'un groupement un peu. Et donc l'idée, c'est de créer une synergie pour avoir plus de poids? Exactement. Parce qu'il suffit de se comparer un peu par rapport aux pays qui sont en avance dans ce domaine et où c'est le système coopératif, c'est les représentants du système coopératif qui assurent l'accompagnement, qui assurent le développement. Tout ça, c'est parce qu'il y a une structuration et chaque nouvelle coopérative créée, elle est prise en charge par les... Donc ce n'est pas la peine de reprendre les bonnes pratiques au niveau de la gestion, au niveau du... Et donc il y a des structures, soit des fédérations sectorielles, régionales ou locales, qui assurent même l'accompagnement, il est même au niveau de certains pays, même ce sont les coopératives de développement qui assurent l'accompagnement de ces coopératives. Mais si vous permettez, on revient un peu à la loi, parce que… – Oui, je vous en prie. – Parce qu'effectivement, cette loi, donc, c'est ouvert pour les nouvelles créations depuis le deuxième semestre 2016. Par contre, pour les coopératives qui existaient, dans l'ancien système, avant l'entrée en application de cette loi. Donc la loi avait précisé que c'est l'année 2016 qui était réservée pour se conformer avec... Pour se mettre à niveau. Comme concrètement, il n'y avait que 4 mois, donc de septembre à décembre 2016, le temps qui a été accordé à ces coopératives, ainsi 15 000 et quelques, donc un peu plus de 3 000 qui ont pu le faire dans les délais. D'où la prorogation jusqu'à fin décembre 2019. Donc la semaine dernière, précisément le 21 août, donc, il y avait la publication de la loi 74-16 qui permettait donc à ces coopératives qui leur donnaient donc, un délai additionnel jusqu'à fin 2019 pour se conformer. C'est quoi se conformer? C'est parce qu'actuellement, ils ont un agrément. Donc pour se conformer, c'est tenir une réunion, une assemblée extraordinaire pour approuver les nouveaux statuts. Qui sont conformes à la loi. Qui sont conformes à la loi. Une copie de ce PV de cette assemblée, c'est facile. Et une copie du statut, une copie de l'agrément qu'ils avaient obtenu auparavant. Et automatiquement, ils se présentent au niveau des tribunaux de première instance le plus proche pour s'enregistrer et avoir un registre, un numéro de registre des coopératives qui vont les suivre durant toute la période de vie de la coopérative. Merci beaucoup, Monsieur Azanfar, d'avoir été avec nous pour nous éclairer donc sur ces nouvelles dispositions législatives concernant les coopératives. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais restez avec nous. L'information continue dans un instant sur Médien TV.